Bien régler ses chaussures de ski, c'est essentiel si vous voulez profiter à fond de votre journée. Et si les chaussures de ski sont trop serrées, cela peut provoquer des douleurs et des gênes au niveau des pieds. Et on ne va pas se mentir, une journée de ski quand on a mal aux pieds, c'est pas génial. A l'inverse, si elles ne sont pas suffisamment serrées, le pied n'aura pas le soutien nécessaire pour réagir au mouvement de terrain. Ça peut avoir une conséquence sur votre qualité de ski, mais surtout être source de blessures, notamment au niveau de la cheville. Je m'appelle Valentin, je suis technicien atelier chez Decathlon, et ensemble, on regarde tout de suite comment bien régler ses chaussures de ski. Pour faire ce réglage, il faut compter environ 5 minutes, c'est très facile, et vous n'avez qu'à vous munir de votre chaussure de ski. Qui dit chaussures de ski, dit chaussettes de ski adaptées. Vous aurez beau avoir la meilleure chaussure de ski au pied, si vous n'avez pas les bonnes chaussettes, l'expérience ne sera pas optimale. Commencez par desserrer tous les crochets de votre chaussure. Tirez ensuite la languette vers l'avant du chausson pour faciliter l'ouverture de la chaussure. Mettez le pied à l'intérieur et bien à plat. Une fois le pied à l'intérieur, replacez la languette correctement contre le tibia. Placez le strap sans trop le serrer. Commencez par serrer le ou les crochets du bas sans forcer. Serrez ensuite le crochet du milieu, puis celui du haut. Resserrez le strap. Réalisez 2 ou 3 flexions pour que le pied se mette bien en place, puis prenez le temps d'évaluer votre confort dans la chaussure. Le pied doit être maintenu, mais pas comprimé. Vous devez avoir la sensation d'avoir la chaussure proche du pied, mais surtout aucun point de douleur. Pour plus de précision, vous pouvez ajuster en resserrant ou desserrant les crochets. Mon petit conseil, n'hésitez pas à réajuster votre serrage après une ou deux pistes pour un réglage optimal. Attention, si vous n'arrivez pas à serrer vos crochets, ne forcez pas dessus, réajustez-le. Lorsque vous ne skiez plus, évitez de marcher avec les crochets ouverts, serrez-les au minimum pour privilégier votre confort. De même, lorsque vous stockerez vos chaussures après le ski, pensez à resserrer à chaque fois les crochets. On vient de voir comment bien régler ses chaussures de ski, vous voyez, c'est pas très compliqué mais essentiel pour être à l'aise sur les pistes et profiter de sa journée. Bon ski !